Mercredi 15 février, Hélène Pompeo a troqué sa blouse d'hôpital pour une magnifique tenue monochrome champagne à l'occasion du défilé prêt-à-porter automne-hiver de Michael Kors. Adepte des défilés et des caméras, la mère de famille a adopté la tendance du lerrain avec un ensemble composé d'un pull beige long au-dessus d'une jupe mi-longue dorée à franges, issue de la collection Michael Kors Printemps-Été 2023. Pour contraster le look, l'actrice de 53 ans a opté pour un trench coat et des escarpins beiges à semelles rouges. Ce look nude qui nous rappelle celui de Lena Situation au défilé Dior se fondait parfaitement à la couleur de cheveux de la femme de Chris Ivory, donnant ainsi un effet de profondeur à la chevelure dorée de l'actrice. Son adorable fille Sienna Pompeo Ivory était vêtue de noir, dans une tenue composée d'un blazer en velours et d'une robe à paillettes. Pour compléter son look, la jolie métisse a également sorti les indétrônables bottes Doc Martens. Visiblement, Hélène Pompeo a transmis son goût pour la mode à ses enfants. Mariée depuis 2007 au producteur de musique Chris Ivory, principalement connu pour avoir produit la musique Cheers de Rihanna, Hélène Pompeo se montre régulièrement sur les réseaux sociaux ou lors de divers événements fashion accompagnée de son mari et de ses enfants. L'été dernier par exemple, toute la famille Pompeo Ivory s'est rendue en Sicile pour assister au défilé Dolce & Gabbana.